On fait gagner 3 passes de combat de la saison 4 sur notre Instagram. Le lien est en description. Va participer, ça se finit dans quelques jours. Let's go. Let's go. Comment ça va les gens, c'est Assa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de la Apex Clan pour mon plus grand plaisir, pour vous proposer tout simplement la meilleure classe possible à la Hog, une SMG qui est vraiment très puissante, vous allez le voir dans les gameplays. N'hésitez pas déjà, si vous avez liké la classe, à nous mettre un maximum de likes, de commentaires et à partager la vidéo un maximum. Et pourquoi pas nous envoyer vos scores tout simplement, qu'est-ce que vous avez fait grâce à cette classe. Alors comme vous le savez, je joue en spécialiste, donc on met en atout principaux la régénération rapide, fantôme et observateur. En secondaire, pillard, pas de course et livraison express. Et puis après, quand vous avez les spécialistes, vous avez tous les accessoires, tous les atouts du jeu. En mortel, le C4, c'est important pour le rush. Le stimulant, également important pour le rush. Maintenant, on va passer dans l'armurerie. En canon, on met le canon intendu en 407 mm, tout simplement pour vous donner de la portée des dégâts, de la vitesse des balles et du contrôle du recul. A contrario, ça vous enlève de la visa accélérée. On met pas de laser, on met pas de lunettes, on met rien en bouche, on met pas de cross. En accessoire de canon, on va tout simplement mettre la poignée avant d'opérateur, tout simplement pour avoir un meilleur recul, parce que cette arme, elle est vraiment puissante, mais qu'est-ce qu'elle a du recul les gars, vous allez le voir dans les gameplays. Donc on va pallier un petit peu ça. En munitions, on va pas mettre les munitions par défaut, on va mettre les 30 cartouches en 5,56 autant, qui sont des balles d'AR tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est vraiment la clé du gameplay, c'est vraiment la clé de la classe tout simplement. Ça enlève un peu de recul, c'est pour ça que j'ai mis pas mal d'accessoires qui augmentent le recul. Et pour un peu plus de rapidité, la poignée pointillée pour la visée accélérée tout simplement. En atout, on met le tour de passe-passe, c'est très important parce que l'arme, vu qu'elle a un chargeur beaucoup plus amélioré, beaucoup plus puissant, on va mettre un peu plus de temps à recharger, donc le tour de passe-passe c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, j'espère que cette classe vous plaira les gars. Sur ce, c'était à ça les gars, je vous laisse avec le gameplay. Tous tentative nucléaire sur la map Shootos à la Hog. Go. Pour vous montrer que la Hog est pas si mal que ça. Et franchement, avec les accessoires que je vous propose, c'est vraiment une dinguerie. Ok, donc là faut aller choper le spawn. Lui il est là-bas. Je recharge. Ennemi près du chariot élévateur. Faut que j'aille choper le SP très vite. Ouais, les dégâts calmés. Ça me fait penser un peu à la com mais version SMG, t'as vu. On a le pillard déjà, c'est pas trop mal. On a toutes les munitions qu'il nous faut. J'espère avoir les munitions à pouvoir d'arrêt bientôt. Rentre, les spawns sont éclatés en MME. Ça spawn trop autour de moi là, j'aime pas trop ça vraiment. Je préfère quand c'est plus ou moins fixe, tu sais. Et donc là ça va venir. Non, même pas. Mais tu sais, y a toujours des mecs qui rentrent par là. Mais non, mais c'est une dinguerie! Pourquoi tu penses à mettre un truc là? Ah, je vous jure, les mecs, ils ont fait des études d'ingénieur, gros, pour venir ici. Hein. Code, c'est bac plus 10 maintenant, les gars. Ok, donc on va repartir. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de kills qui ont été faits en MME, du coup, tant qu'il n'y a pas au moins la moitié, voire des trois quarts. Ça peut être pas mal. Déjà, on commence bien la série en plus. Et je sais pas qui c'est qui m'a tiré dessus, mais pas trop envie de rester là. Oh non. Les mecs là, je crois. Enfin, c'est pas je crois, c'est je suis sûr du coup. Par contre, ouais, ça spawn un peu bizarrement. Let's go, vous voyez qu'elle a quand même pas mal de dégâts. Au jugé, c'est pas ouf, mais bon, on va essayer de faire sans. Chaque arme a ses défauts, chaque arme a ses qualités. On va prendre les munitions, faut pas qu'on soit savoir. Munition à pouvoir d'arrêt, c'est ça qu'on voulait pour atteindre le spécialiste assez rapidement. On va espérer de pas tomber sur des mecs qui te bullshit au corps à corps comme le mec qui m'a tué juste avant. Lui il va respawn, il va me revoir. Eh oui, mais regarde! Mais bon, sur ce jeu, les gars, c'est la rage, c'est inévitable, j'ai l'impression, les gars. Mais, bête, non, doublette.
Ah, c'est encore le même. Non, je vais me barrer vite parce qu'il va encore respawn sur moi. Donc sur ce jeu les gars, même si vous avez une bonne arme, même si vous avez un bon shoot, le plus important c'est l'intelligence de jeu et la vision de jeu de toute façon. Je sais pas si c'est la même chose mais vous avez compris. Tout simplement voilà, quand vous savez que par exemple là je me suis fait tuer une fois parce que le mec a spawn sur ma gueule, et je me dis ben on va pas refaire deux fois la même erreur. What? Et ça spawn derrière maintenant. Il est sérieux, regardez où il m'attend. Donc on est en SP. Et ça, c'est parti par là-bas. On en a eu un, deux. C'est bon, on a eu les deux. Ouais, il est là, ici. Il y a un mec qui est passé. Ok. Il est mort. Ça va arriver par là aussi. Je vais même pas le tenter parce qu'ils sont sûrement en train de m'attendre au muret, comme là. Ok, il y a un mec au top, va falloir faire gaffe. Bon, normalement, il n'y a plus personne. Faut vite aller les chercher parce que la game est bientôt finie. Pas envie de me faire rattraper par le temps, les gars. Ah, il n'y a personne là-bas. Putain. En vrai, c'est chaud de savoir où ils sont à chaque fois. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. What? Il m'avait pas vu. On est en 16, il y a encore le temps les gars. Faut vraiment pas que je me presse. Il y a encore un peu de temps. Tête. Derrière toi frérot, derrière toi. Non même pas, ça spawn là. Ça spawn là-bas alors. What? Rien qui m'a vu là non? Et là c'est très crade ici. Non. Non en vain. Ah ça a un spawn dessus. Je le savais. Ah, faut que je fasse très gaffe les gars. Ça a un spawn dessus, c'est pas ouf. What? Il est où? Ouais, ça a un spawn dessus. Non, 25. Petite pause pour vous dire que vous êtes plus de 80% à regarder nos vidéos sans être abonné. Et ça, ça se fait pas du tout. Donc s'il vous plaît, vraiment, abonnez-vous. Vous le regretterez pas du tout. Et même si jamais c'est le cas plus tard, vous pourrez toujours vous désabonner. Je crois que je reste comme un con ici. C'est trop chaud. Je sais pas pourquoi ça se pointe dessus là comme de la merde. Non, casse-toi, laisse-moi tranquille. Oh, il a lagué. Il a lagué. Je crois que je vais me faire savoir. Let's go. Let's go. Nucléaire. Première nucléaire. En plus, un MME, j'ai fait 50 kills sur 150 kills. C'est très propre. Enfin, je mets la nucléaire avec cette hog. Donc, vous voyez qu'elle est quand même puissante. Il faut vraiment bien la gérer. Parce que quand tu sais pas la gérer, comme je le savais pas au début, franchement, tu te dis que c'est une arme de merde. Mais au final, quand tu apprends à jouer avec et quand tu arrives à faire des petits mouvements avec. Franchement, tu dis que c'est pas trop mal finalement. Et avec les accessoires que j'ai mis, les gars, vraiment, c'est vraiment une dinguerie cette arme. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est officiellement la seule SMG que j'avais pas mis la nucléaire. Donc là, j'ai officiellement mis la nucléaire avec toutes les SMG DLC compris avant la mise à jour de la saison 4. Donc j'espère que ce gameplay vous plaira et que vous allez liker un maximum. Sur ce, les gars, c'est ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.